Vous savez, tous les châteaux d'eau sont beaux. Oui. Oui. Parce que c'est nous qui avions la clé avant pour fermer et ouvrir la porte. Plus haut, plus loin, vous en avez un autre. Bah, qu'il est magnifique. Il a vraiment été mis au goût du jour, quoi, parce que franchement, il est fun, ce château. C'est pas comme d'autres châteaux qui sont tout tristes à mourir. Il est magnifique, quoi. Et aujourd'hui, de voir des châteaux aussi bien décorés, ça devient de l'art. C'est ça. Et il ne défigure pas l'environnement. Et c'est ça qui est beau, que ça soit celui qui est pas loin de Samonac ou celui de Saint-Trojan, c'est une œuvre. Et je pense que des gens qui font ça devraient continuer. Comme ça, ça fait la beauté d'un village, ça fait la beauté des maisons neuves qui se construisent à côté. Donc je trouve que voilà. Mais celui-ci, il fait en sorte que celui-ci peut cohabiter avec les maisons neuves. Que d'autres qui ne sont pas très beaux devraient cohabiter avec les maisons de pierre. Et ça serait mieux. Mais là, ils ne défigurent pas non plus l'environnement. Et je trouve qu'en continuant à les peindre comme il fait et à les entretenir comme il se doit, ça peut que dire aux jeunes, voilà, c'est une œuvre d'art. Et moi, quand je me lève le matin et que le soleil tape dessus, je me dis, bon sang, c'est un château d'eau, mais franchement, il a sa place. Voilà. Et franchement... Non, et j'aimerais bien. Par contre, j'ai vu des gendarmes descendre en rappel. Et ça, c'est beau, je peux vous le dire. Là, vous avez envie d'y aller avec eux et de dire, et s'il vous plaît, vous pouvez me faire descendre aussi en rappel? Parce que les voir descendre le long des piliers comme ça, en bondissant avec leurs cordes, c'est magnifique. Ça, c'est ce que vous devriez filmer aussi. Non, je pense qu'entre celui de Samonac et celui-ci, je pense que, comme je ne sors pas beaucoup, c'est les deux qui m'ont vraiment fait boum boum dans la poitrine. Voilà. Là, je peux pas vous dire. Je vous dirai des bêtises. Mais là, ça ne me vient pas à l'esprit. Surtout qu'en plus, c'est pas. Moi, j'ai souvent. Je vous donnais mon impression sur les châteaux d'eau. C'est que j'ai souvent l'impression. Enfin, c'est pas forcément très joli. C'est pas quelque chose que. Après, l'esthétique. Ouais. Ça, c'est chacun. Chacun ses goûts. Chacun a une perception. Il y a une perception de la chose différente et de la beauté. Ouais, ça va, je le trouve plutôt beau. Même s'il devrait un peu être rénové, mais bon, c'est pas grave. Pour l'escalade. J'en ai aucune idée. Alors là, je dirais celui-ci. Ah non, celui de Dissoudun est super beau. Dissoudun, ouais, il est super beau parce qu'il a été refait et franchement, il est très très beau. Ouais. Parce qu'il est assez grand, il est original, il est de toutes les couleurs. La question de la beauté d'un château d'eau, pour moi, c'est vraiment, est-ce qu'il a une forme assez dynamique?
c'est-à-dire avec une variation des formes entre le réservoir et le pied, on peut dire. Voilà. Si je prends celui-ci qui est cylindrique, bah, il n'est pas très, très original. Maintenant, il est éclairé avec beaucoup de lumière et ça le met en valeur. Et donc pour moi, les châteaux d'eau, c'est comme les phares. C'est un peu des points de repère dans le paysage. Voilà, ça sera toujours en hauteur et donc ils sont visibles. Et peut-être, s'ils sont un petit peu travaillés sur le plan graphique, peinture, sans que ça soit trop coloré, hein, c'est intéressant, ça serait intéressant. J'ai vu un qui avait la forme presque d'une montgolfière, comme une boule, et c'était peint avec des bandes comme une montgolfière. I quite like the difference in colours and the shape of it. It's very tall and it tapers to the bottom, but it's a very nice water tower. Ah oui, c'est nécessaire, oui. Mais parce que autrefois, le village ici, là, les maisons, on allait. Une fontaine qui a derrière, chercher l'eau avec des seaux. Pour moi, ni beau ni moche, mais ça fait partie du paysage et il y en a besoin, donc faut qu'il soit là, quoi. Pas du tout, vraiment aucune idée. C'est pas très joli. Avec les pancartes devant, ça gâche tout. Ça gâche tout à l'entrée de la ville, comme ça, c'est mieux en pleine campagne. Non, pas spécialement. Je sais que ça donne l'eau, mais je sais même pas par où vient l'eau. Par la source, certainement. Le plus beau château que j'ai vu, c'est à côté de Granville. Un superbe château d'eau à Granville, tout peint avec des bateaux, c'était superbe. C'est fermé en clé. C'est fermé en clé. Je sais qu'il y a un moteur, de l'eau et tout, ça suit dedans. Des fois, ils viennent le nettoyer, ils coupent tout, toute oui. L'eau. Hein. C'est lui qui alimente tout le bourg, là, le château d'eau. Je pense que c'est des éléments de l'homme, enfin incorporés par l'homme dans le paysage, qui sont assez spectaculaires. Je le trouve plutôt grand. C'est vrai que ça peut être, c'est marrant, un point de repère. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça qu'on s'est repéré avec mes amis. Pas du tout. Je vous avouerai, j'en sais pas plus que ça sur la technique, mais je sais pas, je dirais que ça collecte de l'eau d'une manière physique, tout simplement quand il pleut, et ça récupère de l'eau venue des nuages. Le beau château d'eau que je connais, je ne vais pas me dédouaner, je vais dire que c'est le château d'eau Le Corbusier à Pont-des-Sec. Le plus beau château d'eau, c'est surtout la réalisation première en béton armé qu'a réalisé Le Corbusier dans le secteur, et c'est sa première réalisation au niveau national. Je suis conseiller municipal à Pont-des-Sec et président du syndicat des eaux, mais ce syndicat des eaux n'utilise pas ce château d'eau, il utilise le château d'eau à côté, pour desservir l'eau dans toute la commune. Ben, la fonction d'un château d'eau, c'est de faire monter de l'eau à une certaine hauteur pour établir une pression, pour pouvoir distribuer l'eau avec une certaine pression dans tout le réseau de la commune ou de l'intercommunalité.
je trouve qu'à Chavannes, il est vraiment très spécial et très joli. Et surtout le soir, il est très beau à voir. Je trouve qu'on n'y fait pas vraiment attention quand on passe à côté, parce qu'on en voit beaucoup. Mais chaque architecture est très spéciale et je trouve ça très joli quand on les regarde de plus près et quand on y fait attention. C'est assez intéressant à voir. C'est celui de Torcé parce qu'il y a beaucoup de vignes autour et je trouve le paysage très joli, donc ça rend le château d'eau encore plus beau. Les châteaux d'eau, je crois qu'aujourd'hui, en hauteur, ça, l'air est au changement. Je pense qu'aujourd'hui, on fait des demi-enterrés, je crois, avec des pompes, pour les voir moins haut, parce que c'est pas franchement magnifique de toujours voir ça à l'extérieur. Mais il existe des châteaux d'eau, et c'est effectivement enterrés ou semi-enterrés, et ombragés tout autour, donc pour dissimuler des châteaux d'eau. Maintenant, ici, ça n'a pas été le choix, mais j'aurais préféré que ce soit ce choix-là qui soit pris. Non, je le trouve beau parce que l'architecture, je l'aime bien. C'est plutôt moderne. J'apprécie la façon dont il a été fait sur l'architecture. Bon, autrement, c'est la seule chose que je puisse dire de bien parce que je n'étais pas vraiment d'accord de l'avoir devant chez moi. Et d'ailleurs, je n'étais pas le seul puisque tout le village s'est battu pour ne pas l'avoir ici, quoi, en fin de compte. Maintenant, on sait que c'est d'utilité publique, il en faut. L'ancien château d'eau était très vieux, donc il fallait effectivement un remplacement. Mais l'étude a été mal faite, mal présentée aux 23 villageois qui sont ici. On a visité celui-ci. Ils nous ont fait visiter celui-ci. Mais bon, j'avoue que j'ai un peu le vertige. Alors une fois je suis monté dans les escaliers là-haut, j'ai pas été très rassuré parce que c'est très étroit. Mais on y est monté quand même et la vision est très belle de là-haut. Hein. Je peux vous assurer que c'est très beau, on va très loin. Alors pour nous ici, c'est un repère en fait. On dit souvent qu'on est au pied des trois petits châteaux d'eau. Voilà, donc les gens se repèrent comme ça, c'est le petit repère de la commune. Oh, bah, ils font partie du paysage, donc ni forcément beau, ni forcément moche. Voilà, ils ont leur particularité, surtout d'être à trois, c'est spécial, quoi. Généralement, on a souvent un seul château d'eau, là, on a avoir trois. Voilà, c'est une particularité qu'on retient bien. Non, jamais visité de l'intérieur d'un château d'eau. Du tout, non plus. Ah bah les graffitis là, on en est envahi. Après il y en a des plus jolis et il y en a des moins jolis parce qu'il y en a où c'est fait avec des vrais graffeurs en fait, qu'on fait intervenir en fait pour éviter justement qu'on ait des moches. Et du coup voilà, mais malheureusement il y en a qui respectent pas ce qu'ont été fait par des vrais graffeurs, donc c'est un peu dommage. Oh, je sais pas du tout. Là je sais pas. Peut-être celui-ci. À gauche, puis après 100 mètres, vous êtes arrivé. Les châteaux d'eau en France ont toujours fait partie un petit peu du paysage. Aujourd'hui, on a beaucoup de points hauts, non seulement pour les télécoms et autres, donc parfois ça peut servir aussi de support pour les antennes ou autres. Et en particulier, leur principale fonction, c'est l'eau, nous desservir l'eau. Voilà. Ce château d'eau a été rénové il n'y a pas très longtemps. Il a été complètement refait il y a 2-3 ans, je ne sais pas exactement les dates. Mais c'est un château d'eau qui est en très bon état, surtout au niveau sécurité. Oui, ça m'arrive de rentrer dans le cadre de mon travail, puisque je travaille dans une société télécom audiovisuelle, et ça m'arrive d'aller dans les cuves, au niveau des cuves. Non, jamais. Jamais j'ai rentré à l'intérieur visiter. Jamais. Pourtant, ça fait longtemps que j'habite ici. Plus que 10 ans. Ouais, mais j'ai jamais rentré dedans pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Jamais. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je passe toujours par ici. C'est tout. Je passe par là, je vois le château d'eau. C'est pour les traitements des eaux, parce que ici,
C'est l'eau qui distribue pour les locataires et les propriétaires des maisons et des appartements. Voilà. Et là, il y a un bureau, là, à côté, là, il y a un bureau, là. Il paye, c'est pour venir payer les factures de l'eau. Il est bien, il est bien. Il n'est pas question beau, mais il est bien, il est bien, il est bien à sa place. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Un château d'eau dans le village, c'est agréable. Un château d'eau, c'est la vie d'un village. Ah, les couleurs sont jolies. C'est la première fois que je vois un château d'eau comme ça. Et on le voit de loin. Ça égaye le paysage, on va dire. C'est joli. Oui. Je passe devant pour rentrer chez moi, donc je le vois tous les soirs illuminé. Voilà. Bah, qu'il est beau, mais qu'il est vieux. Et la couleur ? Bon, ça va. Ça, au moins, on le voit. Ça ressort. Il va avec la nature. Vert sur vert. Je crois que ça doit prendre l'eau. Donc c'est que c'est en dessous de la terre, là. Et puis, ça le purifie et puis ça le renvoie. Je pense que c'est ça, dans les tuyaux. Hein, ça nettoie l'eau. Je connais un château d'eau que quand on le voit de loin, tout près, je sais pas, mais de loin, ça représente une fleur. Ouais, ça peut être mieux, ça peut être mieux, c'est sûr. Il y en a, ils sont très imposants et assez vieux aussi. Celui-ci. Pourquoi ? Ah, pour le paysage, une grosse tulipe comme ça, bon, c'est pas terrible. Bah, c'est très beau, c'est un monument quand même qui fait partie du Douaisis. Et il a une architecture assez spéciale par rapport aux autres, et je le trouve très joli. Oui, il y en a un sur Liévin, direction de après Lens, et il y en a un près de Hénin-Beaumont aussi, qui est très joli aussi. La seule chose que je regrette, c'est toutes les antennes qui sont posées dessus. Ça, je trouve que ça l'enlaidit un petit peu. Ils sont moins naturels et ça fait trop de trucs sophistiqués dessus. Je ne saurais pas dire la date où il a été construit. Mais quand je suis né en 45, il existait déjà. Il date peut-être de 1920, je saurais dire, peut-être 1920. Peut-être. Je crois que chaque village a son château d'eau. Comme à Oisy, une commune voisine qui est un peu plus importante. Il y a un château d'eau aussi. Il y avait des puits dans les fermes, il y avait des puits. On prenait l'eau des puits. Chez nous, ça date de 52. Quand nous avons eu notre maison neuve, il y avait déjà l'eau courante. Oh, je ne saurais dire ça. Il s'intègre bien, ça va. Oui. C'est beau quand même. Il était encore plus beau avant. Il était encore plus beau avant avec les voitures marron. C'est des points de repère. C'est des points de repère et puis ça fait partie du paysage. Hein. C'est du travail d'art quand même. C'est du travail d'art hein, parce que... C'est hein. Utile donc. C'est utile. Et quand ils sont beaux, ben, c'est bien. Non, le château de la Brière, là, il est beau. Il est beau par rapport à d'autres châteaux. Quand des châteaux, ils sont juste droits et... Par exemple, quand vous partez, si vous partez vers 50 ans, là,
Là-bas, par rapport à ici, Trappes ou par rapport à ici, ici c'est plus beau que celle de Trappes. C'est lui qui l'a fait, il a bien fait, je pense. Parce que déjà, les trois trucs sur le côté là, c'est mieux qu'un truc tout droit. Tout droit, oui. Ouais. Aujourd'hui, on a une consommation excessive. Il y a un problème quelque part, donc je suis en train de vérifier. Ici, on a un compteur de départ au château d'eau. Donc je contrôle le nombre de litres d'eau qui passe par minute. Et avec ça, ça me donne une idée de la consommation en temps réel. Le fait qu'on... Le genre de vie qu'on a aujourd'hui, on consomme beaucoup plus d'eau qu'il y a 50 ans, 10 fois plus, je dirais. Hein? Avant, on se lavait très peu. Aujourd'hui, on prend une douche chaque jour. Et c'est ça qui a évolué. Ce château d'eau, donc, la construction débute dans les années 19e, 1864. C'est un architecte qui décide, la municipalité demande aux architectes de faire un château d'eau original. Donc, mais en 1998, nous allons officiellement lui donner un nom d'une salle d'exposition château d'eau, château d'art, qui va être jusqu'à maintenant encore une salle d'exposition, où beaucoup d'expositions d'art contemporain. Non, pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout parce qu'on les voit que à la campagne et faudrait que je me renseigne un peu plus. Franchement, je vais vous dire, je maîtrise pas trop le château d'eau. Je ne peux pas vraiment vous donner plus ample information là-dessus. Le château d'eau n'existe pas. Moi, j'ai jamais connu, mais il existe une rue du château d'eau. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas. Non. J'apprécie. Souvent, ils sont décorés. Il y a des châteaux d'eau qui ont des sortes de fresques ou de peintures. Donc ça, c'est toujours original, intéressant. Et puis, cette forme étrange de champignons qui s'élève dans le ciel et dans le paysage, j'aime bien. J'ai des souvenirs en Normandie ou d'autres endroits où c'était des repères. C'est très bien. I don't know actually, that's funny because I've never been to France before, this is my first time. Thank you.